je suis assez partagée. Moi, je suis pour les initiatives privées. Donc, si une entreprise juge que c'est bien, surtout que là, c'était une entreprise avec vraiment des charges lourdes, etc. Ouais, des ministeries. Ouais, donc, si elle juge que c'est bien et qu'elle veut, qu'elle a le budget, qu'elle a. Enfin, je veux dire, pourquoi pas? Parce que je voudrais pas que ça aille jusqu'à Marlène Schiappa et que ça nous pond une loi. Moi, c'est tout ce que je voudrais pas. Mais. Non, mais. Non, Marlène Schiappa n'est plus d'actualité. Oui, non, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire. Mais pourtant, je te dis ça alors que j'ai de l'endométriose et que vraiment, les règles douloureuses, je sais ce que c'est. Vraiment. Mais je souhaite que ce soit vraiment une entreprise qui ait conscience de ça et qui le fasse. Est-ce que, ça ne pose aucun problème. Pardon de poser une question un peu intime, mais quand tu travaillais, est-ce que tu as déjà posé un arrêt maladie? Enfin, tu as été voir ton médecin, tu as été obligé de t'arrêter parce que tu ne pouvais plus travailler. Non, tu sais, le souci avec les femmes, enfin, en tout cas qui ont l'endométriose, c'est qu'elles ont appris à vivre avec la douleur et qu'elles se gavent de médicaments. Moi, je prenais des suppositoires, des opiacés, enfin, des choses comme ça pour tenir et elles vont au travail parce que ça ne va même pas dans l'idée donc que... Donc, tu allais bosser. Ouais, tu vas bosser parce que tu n'as même pas dans l'idée que, en fait, c'est quelque chose qui c'est peut-être ça qu'il faut changer. Mais là, les mentalités changent beaucoup. Donc, je pense que les médecins comprennent très bien et je pense qu'ils peuvent t'arrêter. Avant, ils te disaient, mais c'est normal de souffrir. Ah, ben, vous avez vos règles, c'est normal. Ouais, c'est maintenant, il y a plus ce discours-là.